l'univers, on va l'appeler aussi le Tao. C'est tout. Et plus que tout. Et quand le Tao se met en mouvement, il crée, il se manifeste sous la forme des principes et de la force. Les principes et la force, c'est deux. C'est la même chose. Et ça prend des formes multiples. Parfois, la force et toutes les formes d'énergie. Parfois, toutes les formes de principes. Et il n'existe rien d'autre que l'univers ou le Tao et son mouvement. Et deux devient aussi le mouvement ou les principes ou la force. Et maintenant, qu'est-ce que c'est ? On ne peut pas en parler plus. Et tout ce que j'ai dit est déjà trop. Mais ça permet une légère approche par la pensée. Mais toutes nos pensées vont trahir la réalité du Tao et de sa force ou de ses principes.